Broken window panes, shattered roofs, and a skeleton of the refinery unit. This is all that is left of the section of the Cameroon Oil Refinery Company after the inferno that ravaged it. The fire broke out at about 9:30 p.m. on May 31st, according to a press release from Sonara. In a state of commotion, residents around the oil refinery ran out of their homes in search of safer locations, as the tremor was immense and unbearable. By panic. Yes, I was so frightened so much so that I had to run out of my house. To middle farms. If you know where Sonara is, and then middle, no, I took off with my family. Running, I never knew. I was just called on phone and said Sonara is burning and places are shaking. So I could not come back. I had to stand at the Sokolo there with my family. Also, our father took the vehicle, carried us there, that we should come and monitor. Things are getting worse, will take us out. Several homes and nearby hotels were also affected. If you just make a tornado, if you just do a thunder, I want to run into the police store, not seen that before, I run go back. And from here, before reaching middle France, that's the whole road was jam-packed with people. Everybody was going. Everybody. Tankers, cars, okadas, the mothers with their children on their back, the ones that were... Brother, I was trying to save life, my life. At press time, there was heavy mobilization of the refinery's firefighting brigade to contain the fire. Due to the inferno, production has been temporarily halted. Meanwhile, investigations are ongoing to ascertain the real cause of the explosion. A dark cloud filled with smoke. The gloom also reflected on the face of its workers. Gaston Elundu Esomba, Minister of Water and Energy present on the field, on instruction of the head of state, came to take stock of damage and to seek ways to move forward. He was received by a cross-section of Southwest administrators and then led to the affected unit of Sonara to evaluate the state of affairs before he settled down for a closed-door meeting with collaborators. The meeting with the general manager of Sonara, its technical team, and some other stakeholders lasted for over 2 hours. The minister has reassured the national and international market that supply will not be interrupted as measures will be taken to repair the damage and for the refinery to continue production. It should be recalled that on the night of the incident, the military came to the scene to reinforce security. Yesterday, a fire incident at the National Refinery Sonara follows an explosion at the crude distillation unit of the refinery. De 4 850,5 milliards de francs CFA adoptés par le Parlement en fin 2018, le budget de l'État du Cameroun au titre de l'exercice 2019 vient d'être réajusté à 5 212 milliards de francs CFA, ceci au travers d'une ordonnance du chef de l'État modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances 2019, un ajustement qui intervient 3 semaines après le séjour au Cameroun d'une mission du Fonds monétaire international, une bonne chose, selon l'expert comptable Samuel Mott. Un budget, très souvent il est fait sur la base des hypothèses. Et normalement, quand vous entendez qu'on a voté un budget au mois de décembre, ça veut dire qu'on a commencé à le préparer bien avant. Et les hypothèses que l'on prend très souvent, on finit par les boucler au mois de septembre pour qu'on puisse convoquer les députés pour qu'ils puissent venir voter. Et dans le cadre de ces hypothèses, la solution que des hypothèses, il peut arriver effectivement que l'on soit en deçà des espérances ou même au-delà des espérances et ça peut donner lieu à des réajustements en cours de période. Et dans ce qui se passe dans le cas particulier du Cameroun, de cette ordonnance-là, il se passe tout simplement qu'avec le discours ambiant, sur les conséquences néfastes de notre économie, des troubles que nous avons au nord et au sud-ouest, je crois que nos responsables
politiques ont été contaminés par ce discours ambiant, là, ils ont été, à mon sens, trop pessimistes. À mon sens, au sens du FMI, qui est passé en mission de supervision tout récemment, on a été trop pessimistes. Parce qu'on se rend bien compte que lorsqu'on arrive au mois de mars, où l'ensemble des contribuables commencent à payer, s'acquitter de leurs obligations fiscales, payer notamment les impôts, on se rend compte qu'on en a eu plus que prévu. 361,5 milliards de francs CFA en plus. Selon les projections, ces fonds viendront tout d'abord des recettes propres, à savoir le pétrole, 56 milliards de francs CFA, et les recettes fiscales, 24,5 milliards de francs CFA. À côté, l'État du Cameroun compte également sur des emprunts, 240 milliards de francs CFA, soit 188 d'emprunts extérieurs et 52 milliards de francs CFA empruntés en interne. La TVA a augmenté. Et quand la TVA augmente, ça veut dire que la production va également augmenter. Et si la production n'augmente pas, ça, pour qu'on puisse recouvrer plus de TVA, ou sinon l'équivalent des TVA qui ont été prévus, arrêtés, ça veut dire qu'on ira chercher d'autres niches fiscales. On va élargir l'assiette fiscale de manière non juridique, de manière non légale, parce qu'on n'aurait pas prévu les dispositions fiscales appropriées concernant cet autre élargissement. Et vous allez voir, naturellement, qu'il y aura une pression fiscale terrible. C'est très bien d'être également dans une situation où on peut vous prêter de l'argent. Il y a un adage qui dit « on ne prête qu'aux riches ». Vous comprenez bien que si on est dans une situation catastrophique, le FMI, généralement, quand il vient vers vous, c'est pour comprimer les dépenses. Ce n'est jamais pour ouvrir les robinets, pour pouvoir dire que vous avez des poses de dépenses supplémentaires ou des poses de dépenses supplémentaires. Et dans le cas d'espèce, le fait que l'on, dans ces 361 milliards, il y a des recettes propres et également des recettes extérieures. Et le simple fait tout simplement qu'on vous dise, vous avez encore une capacité d'emprunter, ça veut dire que nous avons une économie plus ou moins saine. Parce qu'autrement dit, on vous aurait dit, vous maîtrisez vos dépenses, vous essayez de les financer tant bien que mal. Selon le professeur Alaka Alaka, le point positif de cette projection, c'est le nombre de coupes observées dans les budgets de certains ministères et autres institutions. Même si ces coupes seront reversées à d'autres ministères, comme celui des travaux publics, de l'eau et de l'énergie, ou même encore des sports et de l'éducation civique. Le fiscaliste note tout de même un risque de détournement à travers cet acte du chef de l'État. Sur la forme, cette ordonnance n'existe pas. Parce qu'en matière juridique, il y a le dispositif juridique qui accompagne toute norme juridique qu'on appelle les visas. Il y a parmi les visas le troisième qui est faux. Parce qu'on nous parle d'une loi de finances, d'une loi de 2017 qui promulgue, qui rend exécutoire la loi de finances de 2019. Donc une loi de finances, une loi de 2017 qui rend qui rend obligatoire la loi de finances de 2019, c'est faux, elle n'existe pas. Et à partir du moment où cette loi de 2017 n'existe pas, le dispositif est faussé et tout ce qui suit après au fond est également faux. Et la conséquence, c'est que demain, il y aura absence du droit. C'est-à-dire que toutes les personnes qui pourraient voler dans ce budget-là, bouffer de l'argent, lorsqu'on les amènera devant le tribunal, eh bien, il y aura absence de base juridique. Parce que le terme de base n'existe pas, il est faux. Il est donc illégal et donc inexistant. Il faut noter que ce n'est pas la première fois au Cameroun que la loi de finances est révisée. En juin 2018, le chef de l'État signait une ordonnance du même type qui augmentait les charges du budget du Cameroun de 176 milliards de francs CFA. On était alors passé de 4 513,5 milliards de francs CFA à 4 689,5 milliards de francs CFA. Lydie Avenue Kennedy est à Yaoundé ce samedi. Il est environ 9h du matin. Cette vague de plus d'une centaine de militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun battent le macadam. Direction la poste centrale où les attendent déjà quelques-uns de leurs camarades et une forte mobilisation des équipes mixtes, police et gendarmes. À la tête de la marche, le président du parti Mamadou Mota, hier, au cours d'une conférence de presse, a annoncé les raisons de cette marche. Les principales étant la revendication de la libération de Maurice Kamto et compagnie, la résolution de la crise dite anglophone. Drapeau vert, rouge, jaune à main, ils entament des chants patriotiques dans l'hymne national. Pour fois à la poste centrale, ils sont stoppés par les forces de l'ordre dont le déploiement humain et matériel sur le site est impressionnant. Le temps ne va pas tarder à monter. L'effectif des manifestants s'accroît progressivement.
En réaction, les forces de l'ordre utilisent du gaz lacrymogène pour les disperser. Dans la foulée, des arrestations en vague sont effectuées. Mamadou Mota et quelques-uns sont interpellés et conduits à la police judiciaire. D'autres ont été gardés à vue dans les unités de gendarmerie et police différentes. Environ 2 heures après les mouvements, la circulation a été rétablie. La vie a repris son cours normal à la poste centrale de Yaoundé. Mais la zone, comme la quasi-totalité de la ville, est restée sous haute surveillance. Contacté par l'enquêteur de Paul Chuta ce matin, Maître Emmanuel Sim, l'avocat du cyberjournaliste, a reçu de nouvelles informations concernant la situation de son client. Il m'a dit qu'il y avait fait plaignant, qui ont déposé les plaintes. Si j'avais fait la parole d'entendre aujourd'hui, mais parce que là qu'on entend aujourd'hui, on l'a fait lundi matin au parquet. Aucune information sur l'identité des nouveaux plaignants ni sur les accusations n'a été donnée à l'avocat. Le cyberjournaliste sera auditionné incessamment et confronté aux nouveaux plaignants dans le cadre d'autres affaires qui se greffent à celles déjà en cours. Activiste très présent sur la toile, c'est le 28 mai dernier que Paul Chuta a été interpellé par les policiers en civil. La scène s'est produite au quartier Biémassi aux environs de 22 heures. Il a été ensuite conduit, puis mis en garde à vue à la police judiciaire où il passera la nuit. C'est le lendemain, le 29 mai, qu'il sera confronté à la plaignante Calix Biala. Écrivaine d'origine camerounaise, elle l'accuse de diffamation. C'est à travers les réseaux sociaux, il y a plus d'un mois, que Paul Chuta a partagé une vidéo dans laquelle elle se disputait violemment avec un homme près d'un établissement scolaire à Douala. La vidéo est devenue virale et l'écrivaine a été la risée des internautes. Choquée, c'est en justice qu'elle a décidé de régler ses comptes avec le cyberjournaliste. Au cours de leur confrontation à la police judiciaire, rien n'a filtré. Mais selon Maître Sim, l'avocat de l'accusé interrogé ce jour, c'est ce vendredi qu'il devait être présenté à un juge. Le mis en cause n'a finalement pas été présenté, nous a signalé son avocat. Conséquence, il passera le week-end en garde à vue. C'est donc à partir du 3 juin prochain qu'il pourra être présenté à un juge si les formalités administratives sont réglées. Selon la suite probable de l'affaire, une fois présenté, si le juge estime que les charges retenues contre le lanceur d'alerte sont suffisamment lourdes, il sera inculpé et un mandat de détention provisoire pourra être signé. Incarcéré à la prison centrale de Yaoundé. Les enjeux des réseaux sociaux et l'action gouvernementale pour la réalisation d'un meilleur environnement digital pour le Cameroun. Voilà le sujet qui a meublé les débats au cours de cette rencontre organisée par le collectif de professionnels en communication des organisations formées à l'ESTIC. Formation de la communication. Avions cette volonté manifeste d'organiser un débat pareil. Et pour marteler sur le sérieux de cet événement, nous avons tenu à inviter des hauts membres du gouvernement pour que les gens comprennent l'urgence de recadrer les choses, de réguler, mais surtout de prendre conscience de leur implication sur la valorisation ou la promotion de l'image de marque de notre pays. Pour le ministre des Postes et Télécommunications, les réseaux sociaux sont un allié précieux pour les communications des institutions publiques. À en croire Minette Libom-Liliken, il s'agit là d'un outil de la vie démocratique. Avec l'essor des réseaux sociaux, l'on multiplie les possibilités de prise de parole et cela constitue un allié et un moyen d'interaction privilégié. C'est le peuple camerounais qui est souverain, qui a besoin d'informations, qui a besoin de savoir. Et la mission du ministère de la Communication, c'est d'expliquer au peuple les enjeux de ce qui se passe. Nous n'avons pas le choix et donc nous sommes obligés de communiquer à travers l'ensemble des supports de communication, à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, à travers la presse, à travers la radio. Voilà, c'est notre mission première, d'expliquer au peuple qui en conséquence pourra nous aider, nous soutenir, amener le combat que nous prenons en train de mener. Au cours de ces échanges, l'on a pu apprendre que le gouvernement s'est engagé dans un processus d'administration électronique avec des services en ligne. C'est dans ce cadre qu'a été créé le projet e-Government, qui est un plan permettant à l'État du Cameroun d'introduire des innovations dans son administration. Bamenda is now home for thousands of internally displaced persons who fled their homes and villages as a result of the insecurity that has overtaken the rural areas. In every crisis or wartime situation like the case in the northwest and southwest regions, women and girls are most vulnerable
and they constitute a greater proportion of internally displaced persons. Some who cannot make their way out of the villages seek refuge in bushes. Considering the fact that women and girls have special needs that warrants care and attention, the question now is, how do these women manage their menstrual cycle, given the fact that even food is far-fetched? Activists on women's rights in this regard are of the opinion that sanitary pads should be given free of charge. Instead of giving people condoms for free, which are very cheap, or rather advocating for these sanitary pads to be given to these women and girls for free. Yes, there are a good number of women who are out there. If you go to church and get the statistics, the ratio of men as compared to women, it's more. I'm saying that you really can't attain the needs of all of these women. But it's important that especially for goodwill persons, persons who have taken it upon themselves to be able to support these displaced persons, that while you're doing that, think about the sanitary part. This crisis situation has gone to a point where even the regional delegation of women's empowerment and the family is finding it difficult to reach out to internally displaced women in the Northwest region. It has become a very, very disturbing issue because women who are out of their homes, some of them who are in very uncomfortable places in bushes, find it difficult handling issues concerning menstruation. But for those who have been able to come to town, we have activities that we carry out. Some young girls who spoke off camera say they even go to the extent of using plantain leaves. Thus, stakeholders involved in the protection of women's rights need to do more to check into the situation of this group of persons. Avec le monde enfant, c'est un monde minutieux. Nous avons plusieurs difficultés, mais l'expérience de l'éducation nous amenons à améliorer quelles qu'en soient les difficultés rencontrées auprès de ces enfants. Oui. Ce que nous réservons ou ce que nous promettons aux parents pour l'année prochaine, c'est d'être les encadreurs plus meilleurs que cette année et surtout de continuer à faire confiance au monde éducatif, quel qu'en soit le lieu. Oui, j'ai remarqué qu'il y a eu un changement parce que à la maison, elle chante bien. Elle étudie, elle apprend ses leçons, je l'apprends aussi. Et puis, parfois, elle mange, elle me dit tout ce qu'elle fait. Je suis très contente. Petit madame, au petit madame, au petit madame, ne se le contente. Some teachers' trade unions comprising Batuk, Piatu, Siwotu, and Tak have unanimously issued a release appealing that all children go back to school come September 2019, and they denounce the killings and arson hampering activities in the Northwest region. This is coming at a time when students of the Anglophone regions have gone on for 3 years consecutively without effective studies as against their mates in other regions of the country. The number of students in the Northwest and Southwest who now pursue education has greatly reduced, as many rather hawk on the streets while others learn trades than endanger their lives given the constant gun confrontations that now govern the town, the killings, kidnap and demand for ransom rocking the region. Teachers in the Anglophone zones undoubtedly played a big role in the onset of the present crisis when they called for a sit-down strike that paved the way for secessionists to lay hands on the educational sector that now seems to be the driving force of the crisis. One begins to wonder if these teachers will be able to get the prestigious Anglo-Saxon education back to where it was before the year 2016. The question most parents pose is, if the crisis is not solved before September, what guarantees the safety of children while at school come 2019/2020 academic year, preset 3 months from now? Initialement prévu le 31 mai, c'est finalement ce samedi 1er juin que le match aller Cameroun-République démocratique du Congo, comptant pour les éliminatoires des Jeux africains Maroc 2019, a pu se disputer ici au Palais polyvalent des sports. Les Congolaises sont arrivées ce samedi matin et quelques heures seulement après leur arrivée, elles se sont rendues ici pour disputer justement ce match contre les Camerounaises.
Et ici au Palais Polyvalent des Sports, les champions en titre se sont imposés facilement par 3-7-0 avec un premier set remporté sur le score de 25-16, soit avec un écart de 9 points sur l'adversaire. Blessés dans leur orgueil, les Congolaises tentent de réagir en inscrivant le premier point du second set, mais elles sont vite rattrapées par les Camerounaises avec une Cheryline Bachoun très combative ou encore Victoire Nama, qui sont les joueuses qui disputaient leur premier match officiel avec l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun va marcher pratiquement sur son adversaire, creuse les cas, parfois jusqu'à 18 points séparent les deux équipes. Et c'est logiquement que le Cameroun remporte le deuxième set par 25-6, soit avec 19 points d'écart. Au troisième set, la RDC est de plus en plus dépassée et multiplie des fautes au profit du Cameroun. Dans ce dernier set, le Cameroun s'impose sur le score de 25-15 et remporte donc la manche aller par 3-7-0 face à la RDC. La phase retour de ce match est prévue ce dimanche 2 juin, ici au Palais Polyvalent des Sports. Bon, les 24 villes n'ont pas été choisies au hasard. Ce sont 24 villes qui représentent beaucoup pour l'athlétisme mondial. Donc Yaoundé fait partie, peut-être parce que le vice-président de l'IAF, président de la commission de développement et président de la Confédération africaine d'athlétisme se trouve à Yaoundé. Ce n'est pas déjà négligeable sur ce plan-là. Le concept, c'est de faire en sorte que l'athlétisme soit visible là où il y a une culture de ce sport. Donc, je pense que c'est au départ, c'est là. On voulait faire une journée internationale, au lieu de la faire pour les 214 fédérations, on a voulu choisir des repères pour avoir un peu plus d'écho, dans ce sens que les villes où ces événements se tiennent, c'est des villes où il y a la culture de l'athlétisme. Et c'est des villes aussi qui comptent par rapport à la contribution à la gestion de l'athlétisme mondial. Donc voilà un peu le contexte. Bon, nous allons faire notre événement. La fédération m'a invité. Moi, je suis un invité de la fédération. Je serai au départ de la course pour faire les quelques mètres que je peux faire selon ma capacité physique. Je ne suis plus le sprinter des années 70. Et bon, il faut courir 1 mile. 1 mile, c'est à peu près 1500-1600 mètres. Donc voilà, c'est pas une très longue distance.